Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment envoyer un fichier, donc une vidéo ou de l'audio, par Teams à l'aide d'un appareil iPad ou iPhone. Donc, je vais ouvrir d'abord l'application Teams. À l'intérieur de l'application, je vais aller dans ma classe et je vais aller sélectionner les devoirs. Donc, ici, je suis dans la classe, je vais sélectionner devoirs. On retrouve les devoirs à rendre. Donc, ici, je vais sélectionner l'activité 1. Donc, pour ajouter un travail, que ce soit une vidéo ou de l'audio, je vais sélectionner « Ajouter un travail ». Comme cette vidéo est enregistrée dans mon iPad, je vais aller sélectionner ici « Téléverser à partir de cet appareil ». Donc, si c'est une vidéo, je peux aller sélectionner « Phototexte » si la vidéo a déjà été enregistrée. Je peux également la prendre en direct, donc prendre une photo ou une vidéo en direct. Et si c'est un fichier audio, par exemple enregistré sur le dictaphone, je vais sélectionner « Parcourir ». Dans mon cas, je vais aller dans la photothèque, sélectionner la vidéo qui concerne le devoir. Et je vais faire ensuite le bouton « Ajouter ». Donc la vidéo s'est téléversée. Maintenant, j'appuie sur le bouton « Terminer ». On remarque que la vidéo est bien intégrée, donc dans mon travail, j'ai la vidéo. Si je le désire, je peux ajouter un autre élément, vidéo ou audio. Et lorsque c'est complété, j'appuie sur le bouton « Remettre ».